L'association des participants marocains au programme de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA a organisé samedi une rencontre sous le thème « Relations maroco-japonaises, quelle opportunité d'investissement ?» Parmi les objectifs de notre association, donc, c'est le partage et l'échange des connaissances et d'expertise, d'abord entre les membres de l'association et aussi avec nos amis japonais. Nous œuvrons également à consolider et à renforcer davantage la relation d'amitié qui lie le Japon au Maroc et également, et ceci à travers des activités culturelles et aussi des rencontres thématiques scientifiques et techniques. Aujourd'hui, c'est la réunion des anciens stagiaires du Maroc au programme de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA. JICA a. Le gouvernement du Japon, nous trouvons le développement ressources humaines est très important. C'est pas simplement d'envoyer le consultant expert, mais aussi l'invitation des personnels marocains au Japon. Ça, c'est aussi très important. C'est pas simplement de transfert de technologie et ni de simplement de savoir-faire, mais on travaille ensemble. Donc, l'amitié est née. L'association des participants marocains au programme de l'Agence japonaise de coopération regroupe plus de 1500 cadres marocains exerçant dans différents départements ministériels et établissements.